Bonjour à tout le monde. Bon, la connexion est stable. OK. Bonjour, je sais que vous allez bien. Je vais vous partager, je partage avec vous quelques problèmes, voilà, que les choisir rencontrent. Donc, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Je suis là pour vous permettre de vous ouvrir, de comprendre l'évolution spirituelle dans laquelle vous êtes déjà. Parce que on est tous sur une évolution spirituelle. Voilà. Et mon but aussi, c'est de vous permettre d'ouvrir vos dons. Voilà. Hier, je vous ai expliqué un peu, même comme après le direct est parti dans la tenue que eux, ils voulaient. Je vous ai expliqué hier comment reconnaître que je suis un choisi. Donc, bonjour, Marcy, Nathalie, Shirley, Momi, Edith. Garoua, Florence, Simo, Cédric, Michel, Christelle. Bonjour. Bijou, Alex, Sheila, Tagro, Lisa, Marie. Florence. Bon, le problème que vous allez avoir en tant que choisi, c'est ce que je vais vous énumérer ici, ce sont mes observations. Et être choisi, c'est bien, ok? Mais en même temps, c'est comme un fardeau qui est lourd sur toi. Et c'est comme des émotions qui te contrôlent carrément de l'intérieur. C'est comme si c'est pas toi qui décidais pour toi-même. Oui. Et très souvent, ceux qui ne veulent pas nous comprendre vont mettre des clichés sur nous. Et parfois, ces clichés-là se sont tellement répétés que nous-mêmes. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, avant même que la personne ne te dise que tu es comme ça, tu es comme ça, après une expérience amoureuse, toi-même tu dis déjà ça de toi. Donc parce que tu es déjà habitué en fait. Donc je vais partager avec vous 3 à 5 problèmes que les choisis rencontrent. Claude, bonjour. Yvonne, Flore, Jeanne, Pamela, bonjour. Je viens déjà préciser que beaucoup des problèmes qu'on rencontre en tant que choisi sont liés à la nature du choisi. Donc les problèmes que tu vas rencontrer sont liés à qui tu es, sont liés à tes pouvoirs. Et étant donné que beaucoup de choisis ne connaissent pas qui ils sont, le problème qu'ils se retrouvent en train d'avoir, donc, c'est une incompréhension de leur part. Ils ne se comprennent pas. On ne les comprend pas. Et ils n'essayent pas de guérir. Le premier problème du choisi que j'ai remarqué, le choisi très rarement va aimer une vie monotone. Un choisi, se marier, avoir des enfants, un petit boulot, vivre dans une petite cabane avec une petite voiture,
Le choisir de la peine à se voir comme ça. Parce que l'appel du choisi, généralement, implique beaucoup de personnes. Peu importe là où tu te trouves. Même si tu es choisi, tu vis à New Bell. À un moment, tu vas peut-être te retrouver en train de soigner les gens, tu vas te retrouver en train de sortir pour toucher d'autres personnes. Ce qui fait que ton rythme de vie va influencer beaucoup tes relations. Et dans l'âme de chaque personne, il y a une satisfaction. Genre, tu vas voir une femme, elle va te dire, si je me marie, je suis heureuse. Elle se marie. Tu la vois, elle est bien. Genre, tu arrives chez elle. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'elle vise très peu? Pourquoi est-ce qu'elle voit peu? Pourquoi est-ce que elle se limite à ça? Parfois, tu vois même le mari, que pour elle, c'était le meilleur mari, le meilleur objectif. Toi, tu te dis, il fait vraiment, moi, pour rien au monde, je ne me. Voilà, c'est ce que tu te dis. Par exemple, j'ai une femme, une connaissance d'avant, parce que ça fait au moins 9 ans, on n'a plus de nouvelles l'une de l'autre. Hein. Et nos deux couples, c'est-à-dire son mari et elle, et mon ex à l'époque, et moi, nous étions des couples amis. Et on se fréquentait assez. Ce qui fait que il y avait une certaine confiance qui s'était installée. Mais je ne savais pas que son mari avait des pulsions. Donc, mon couple, on ne savait pas que son mari avait des pulsions et il avait des antécédents d'avoir essayé de draguer ses cousines ou ses amis, d'avoir essayé de faire des attouchements sur ses cousines ou ses amis. Donc, c'est des choses qu'il faisait taire dans la famille. Donc, voilà, on est amis, on se fréquente. Certains week-ends, nous, on va là-bas. D'autres week-ends, eux, viennent chez nous. Et puis, un jour, et elle, certaines des erreurs ou certaines des fautes, des défauts, voilà. Ce monsieur était tellement flagrant. Mais elle le défendait avec une fidélité, une hardiesse, une vigueur. Et parfois je regarde ça, je me dis, mais moi, je ne pourrais pas. Donc, il savait qu'un jour, il y a des dragues qui ont été faites à mon égard. Et des avances. Et quand ça a été fait, elle a découvert. Le jour même où ça se faisait. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un truc. En fait, elle était habituée. Donc, quand elle a vu, nos deux couples ont commencé à s'être amis, elle a commencé, elle cherchait derrière les indices. Après ça, ils sont mariés peut-être 9 mois plus tard. 9 mois après l'incident. Quand l'incident a éclaté, parce que dans le couple, j'étais relativement jeune. À l'époque, j'étais très jeune. Ma fille, elle avait encore 1 an. Mais eux, ils étaient plus âgés que nous en tant que couple. Et là, quand ça s'est passé, je me suis retractée. Parce que je me suis dit, les femmes avaient leur mari. Tu dis n'importe comment, wow, 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 c'est lui qui avait. Elle va lui faire les problèmes. Après 2 semaines, ils vont arranger le problème. Et ce sera maintenant toi qu'on va mettre à l'écart. Donc j'ai préféré me mettre à l'écart direct. En fait, nous deux, on a préféré se mettre à l'écart. C'est comme ça qu'on a arrêté de communiquer. Après 8-9 mois, ils nous ont invités à leur mariage. Ils sont mariés. Ils se sont mariés. Et pourtant, là, mon visage, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon. Quand ils se sont mariés, je suis allée au mariage. J'étais tellement inconfortable. J'arrive au mariage, je regarde. Pour moi, je ne comprenais pas. Mais
Quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas des aspirations. Je sais pas comment je dis ça. Dans l'âme de chaque personne, il y a ce que la personne désire. Et tu ne peux pas. Je me rappelle à l'époque, à cette époque-là, j'avais 23 ans. Hein. Oui. Donc, même à 23 ans déjà, il y avait des trucs que je savais que si ça c'est ma portion, eh, non, laissez. Donc, le problème de choisir, c'est que le choisir n'est pas forcément dans la vie cliché. Il ne veut pas forcément que, voilà, tout le monde vive la vie comme tout le monde. C'est pas ça son truc. Marie, bonjour. Thérèse, bonjour. Vous devez vous comprendre. Comprenez-vous d'abord. Et parfois, tu regardes certaines choses dans ton passé, avant même que tu n'entendes l'histoire de choisir. Tu comprends pourquoi il y avait des choses que tu n'aimais pas ou tu ne tolérais pas. Maintenant, la société va voir ça mal. C'est pour ça que sur 100 personnes, tu as parfois une personne qui est choisie. Parce que être choisi aussi, c'est un mode de vie. C'est une façon de penser. Fabienne, Rosine, Ali, bonjour. La diffa. Manuel, l'interprétation des rêves, c'est un service qui est payant. Tu as compris? C'est que vous aimez ça. C'est un service qui est payant. OK? Si un choisi ne se comprend pas, tu vas rentrer en dépression. Parce que hier, dans les caractéristiques des choisis, je vous ai dit que l'une des caractéristiques principales du choisi, c'est que le choisi se sent toujours exclu. À la limite, rejeté. Se sent rejeté. Et ce rejet, parfois, peut te sembler. Ça peut peser parfois sur toi émotionnellement. C'est pour ça que parfois les plus grands, les personnes qui ont vraiment marqué les époques, vous allez voir que ces personnes parfois finissaient seules. Ces personnes étaient incomprises. Donc le choisi n'aime pas la vie cliché. Donc ça, c'est l'un des problèmes du choisi. Il n'aime pas la vie, donc. Avoir une vie monotone, le choisir, non, voilà un de tes problèmes là-bas. Tu n'es pas dans ça. Le choisir, parce que parfois, peut te dire, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un, bêta, il reste, je me débrouille. Tu vois, il va pas rentrer dans les petites, accepter les faux trucs qu'on le traite n'importe comment. Surtout quand il connaît déjà qui il est. Que ce soit dans une relation, que ce soit. Oh, vous savez que toute relation se travaille. Donc, ça va m'amener au prochain point. Le choisi aime la solitude. Parfois, le choisi va voir tout le travail que ça demande. Hein? Tout le travail que ça demande pour avoir une relation stable. On va dire que vous savez quoi? Laissez. J'ai mon argent, j'ai mes enfants, j'ai ma maison. J'ai mes voitures. Non. Parce que ça demande le travail. Et parfois, tu n'es pas sûr du résultat. Tu n'es pas sûr du résultat. Tu peux t'investir pendant 25 ans dans une relation avec quelqu'un. À la fin, ça ne marche pas. Du moins, c'est ce que le choisi se dit. Donc, le choisi aime la solitude.
Vous allez très souvent voir, il a dit, je suis à l'aise seul. Moi, j'aimerais être seul dans mon coin. Et parfois, cette solitude, c'est comme si tu préfères rejeter les gens avant qu'on ne te rejette. Tellement on t'a rejeté dans ta vie, parce qu'on ne te comprenait pas, que là où tu es, tu préfères quitter la scène avant que la scène ne te quitte. Et ça, c'est lourd. C'est très lourd. Tu vas te retrouver. J'ai une personne hier. Je la suis déjà depuis 8 mois. Et elle est dans une relation stable déjà. Et elle me dit que ça fait 4 jours. Son gars lui écrit, il lui dit, voilà, c'est bon, je veux plus la relation. Elle a pleuré. Après ça, elle me contacte, elle m'informe et tout ça. Elle me dit, bon, voilà, je vais réserver une consultation, il faut qu'on en parle. Et quand elle parlait de ses problèmes, je me suis rendu compte que ça, c'est son attitude ou son interprétation de la réaction de, cette, de son parce qu'il était presque fiancé carrément, de son copain. C'est ce que beaucoup de choisis ont. Chez les femmes, alors c'est grave, les femmes choisies. Elle m'a fait des captures d'écran des messages qui se sont échangés. Et là, il dit, si c'était moi avant, j'allais l'insulter, j'allais le menacer, j'allais le harceler. Pour elle, elle était fière d'elle. Genre, quand il m'a écrit qu'il ne se sépare de moi, je n'ai pas été dure. Elle m'envoie le message qu'elle lui a écrit. Je lis le message. C'était genre, moi, je ne pense pas que tu devrais partir. Hein, parce que moi, j'ai besoin d'un coéquipier pour qu'on travaille dans cette vie ensemble. Vraiment, tu me laisses tomber en route. Je ne pense pas que c'est la bonne décision, mais néanmoins, je te souhaite bon vent. Et cette femme aime cet homme. Mais les douleurs qu'elle a eues dans le passé l'empêchent de baisser la barrière. Certains vont qualifier ça d'orgueil, mais ce sont les douleurs qui transforment des gens en orgueilleux. Parfois, au lieu de s'ouvrir et de montrer que tu comptes pour moi, le choisi préfère faire comprendre à la personne que, en fait, tu ne comptes pas pour moi. Hein. Tu as décidé de partir, pas. Il n'y a pas de problème. Et même quand ces paroles sortent, tu sens que tu as mal. Mais tu ne dis pas. Et ça, c'est l'une des personnes que j'ai carrément dû la forcer pour commencer à travailler sur elle. C'est même le Seigneur qui a permis qu'elle commence à travailler sur elle. Parce que au départ, elle ne croyait même pas à tout ça. C'est juste parce que c'était une bonne amie. Et avait déjà payé la consultation. Quand elle a fini la consultation, elle m'avait déjà envoyé sa photo. Donc j'ai dit, je te lave une fois, paye-moi mon argent du lavage. C'est après le lavage qu'elle voit les résultats, elle dit que, hey, t'as fait le lavage, la marche, bon, envoie-moi tel produit. Après, elle dit, ok, après, je fais encore quoi. Bon, elle-même, elle a vu. Et elle dit que ça faisait, elle a été dans 6 mois de relation stable avec cet homme. Chose qu'elle n'avait jamais eue avant. Et vous savez, guérir, ça demande la grâce de Dieu. Je vous assure. Parce que beaucoup de choisis, quand tu sais même déjà que tu es choisi, tu as déjà une certaine autorité spirituelle, financière.
Mais les choisis ont beaucoup de problèmes d'émotion parce que le rejet qu'ils ont connu depuis l'enfance. Voilà, Pamela, dès que tu avais un gars, après il te quitte sans explication. Je suis sûre que si 50% d'entre vous, les femmes qui regardez ceci, vous commentez, vous allez avoir la même situation. Fabienne, tu dis que son compagnon doit être, il est censé être au courant de ses douleurs. Comment dire tes douleurs à quelqu'un si tu ne connais même pas que tu as des douleurs? Est-ce que vous savez que le rejet que les choisis subissent dans l'enfance et en général dans leur vie, ça fait qu'ils ne croient même pas que les gens peuvent les aimer? Donc un homme t'approche. Tu l'observes avec les binocles, tu dis, hein. Where? With who? Parce que tu, ton image intérieure, la façon dont tu te vois, ne te permet pas de croire que cette personne peut t'aimer. Sincèrement. Et c'est fou parce que les femmes choisies ont tendance à attirer. Vous n'allez peut-être pas le croire. Des hommes bien. Ne me fusillez pas, écoutez-moi, ça va. C'est pour ça qu'au départ de la relation, souvent, c'est très sucré. Claude. Tu dis que c'est ta vie au carrefour. Je sais que beaucoup d'entre vous n'allez pas vouloir être honnête. Mais si on doit guérir, guérissons ensemble. Oui, merci, c'est ça. Le manque d'estime de soi. Ça, ce sont des douleurs que j'ai rencontrées pendant tellement d'années. Je choisis généralement. N'a pas été dans la parfaite famille. Tu as vécu avec les oncles, les tantes, grand-mères, cousines, t'as ceci, cela. Ce qui fait que toi, tu savais que je peux rester avec quelqu'un après 2 ans, il me jette. Je pars dans l'autre maison. Après, j'entends seulement à côté d'une porte comme on est en train de dire qu'on va l'envoyer où maintenant? Pamela, tu vas guérir. C'est pour ça qu'on parle de ça. Quand le temps de guérir arrive, ma chérie, laissez que Dieu finisse ce qu'il a commencé dans vous. Donc, tu étais habitué à tout moment. Si on casse quelque chose à la maison, c'est toi qu'on va appeler, que c'est elle. Ce qui fait que on était très intelligent à l'école parce que on devait compenser ce bizarre, ce rejet entre guillemets en travaillant bien. À la maison, tu es bien, tu fais tout ce qu'on te dit de faire. Tu n'as pas droit à l'erreur parce qu'on ne te pardonnait pas. Là, je vous parle de moi. Quand vous pensez à mes émotions, je sens que mes émotions sont en train de remonter. Et c'est très difficile de parler de ces émotions, surtout en tant qu'adulte, surtout en tant que leader. Peut-être de parler ça devant tes enfants. Parce qu'on peut dire que quand tu as des enfants, déjà, tu es un leader. Parce que tu dois corriger ces personnes, tu dois leur montrer le chemin. Tu peux être une maman de 45 ans, tu as un fils de 20 ans. Mais tu as encore des douleurs dans le poids. Bien même. Et je me rappelle, on a fait un récapitulatif. J'ai fait une consultation avec cette dame. Parce que tous les 2 mois, elle prend une consultation, juste pour faire un truc. Elle fait une sorte de récap sur sa vie. Et je pense que si cet homme n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, parce que quand on parlait, on a parlé peut-être le 5 janvier. Pour elle, c'était genre, tout va bien, ouais.
S'il ne tirait pas la sonnette d'alarme en rompant la relation, pour elle, tout allait bien. Et elle-même disait que il m'appelle tous les matins. Tout, c'est lui qui paye. Donc, comme, depuis que je suis avec lui, je me sens supportée. Je me sens supportée. Et pour elle, c'était comme un soulagement. Elle me disait, c'est la première fois de ma vie. Et avant, je savais que dès que tu avais un homme comme ça, après, il va partir. Et il m'a même amené chez ses parents. On a passé une bonne année chez eux. Vraiment, quand un blanc te fait dire comme ça veut dire que vraiment, c'est vraiment, t'as vraiment envie que tu es accepté, quoi. Mais quand j'ai vu le message du monsieur, j'ai compris que à un moment, il s'est fatigué d'être toujours la personne qui fait l'effort pour venir vers elle. C'était toujours lui. Financièrement, il s'occupait, il faisait tout, mais émotionnellement aussi. Et le choisi parfois se pense que il a droit, entitlement. Donc, tu y as droit, tu penses que c'est ton droit. Ouais, tu dois toujours venir me supplier quand on a un problème. Tu dois toujours venir vers moi. Revoyez vos relations passées. Ça fait de l'instabilité émotionnelle chez le choisi. Hier, je vous ai dit de demander pardon au père de vos enfants. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Et au moment où tu regardes ça, tu dis, ah, j'ai fait du mal à l'autre, à Jean-Pascal. Le lendemain, tu dis, qu'est-ce que Jean-Pascal a même fait pour moi? Hein? Voilà. C'est comme s'il y a une bataille dans toi. Il y a une bataille. Et ton futur est dans ton passé. Tant que tu ne guéris pas de Jean-Pascal et de Pierre et de Joseph, le nouvel homme que tu viens de rencontrer là. Parce que dès que tu rencontres un homme, tu sors la carte que tu avais avec Jean-Pascal. Et cette carte que tu avais, même si Jean-Pascal c'était ton premier amour, première personne avec laquelle tu es sorti. Avec Jean-Pascal, tu te comportais comme on t'a pris dans la famille. J'ai une fois pris une orpheline sous mon aile. J'ai commencé à m'occuper d'elle financièrement. Je faisais tout. Donc vraiment, même son loyer, je payais, tout ça. Ah! Le père de ton enfant attend. Hé, Hélène, il va t'afficher comment? Toi, tu dois d'abord guérir parce que tu vois que toi, tu anticipes déjà sa réaction. Écoutez, les pères de vos enfants ne sont pas méchants. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a une façon de prendre ta personne à un moment qui fait que même si la personne avait le cœur du n'importe comment, à un moment la barrière la descend un peu. Parce qu'il connaît déjà comment tu es, toi là, Ayop. Il te connaît déjà. Il sait que Ayop là est toujours à te chercher problème. Ayop est toujours chaud de là. Donc lui-même il est passé en mode super chaud. Et même s'il voit un jour un message d'excuse de ta part à Ayop, il va pas. C'est pour ça que quand tu envoies le premier message, il va rejeter. Deuxième message, il va rejeter. Parce que le changement, quand on dit se repentir dans la Bible, ça veut dire que je change de comportement, je change de pensée, je change de direction. Donc je partais comme ça. Oh, je me répands, Seigneur. Je tourne, je fais comme ça.
Et ce n'est pas les paroles. C'est dans ta réaction de chaque jour. C'est ce que tu vas faire après que tu aies demandé le message, que tu aies écrit le message. Et il y a même des messages d'excuses qui ne sont pas sincères. Tu écris quand il lit. Oui, je te demande pardon. Mais toi, tu sais que tu m'as aussi trop fait de mal, non? Maman, si tu ne me faisais pas ça, c'est que je n'avais pas fait ça. Mais en tout cas, tu peux venir voir les enfants. Hein, mais t'avises d'abord. Moi, il faut savoir que moi, je rentre à telle heure. Je te donne les ultimatums. Ne crois pas que si tu les prends, tu vas partir rester avec ta prostituée de femme là. Ah, en tout cas, bon, excuse-moi. Hein, je veux vraiment qu'on soit des bons parents pour les enfants. Il va lire le message comme ça là, avec eux. Ça c'est la bombe, c'est le piège. Seigneur, Seigneur, pourquoi toi aussi tu as fait des choses comme ça là? Seigneur, why you do this now? Ah ah. Dis que si je tasse un terrain miné, je vois les mines partout. Je vois les mines partout. Si le temps t'est passé là-bas, la femme là-bas va me finir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si, il ne peut même pas. Ça, c'est 15 ans de problème qu'elle est en train de vouloir avec le message. Si elle veut régler avec le message, c'est. Non, non. Ah, Seigneur. Tu ne lui as pas pardonné parce qu'il t'avait quitté pour aller avec la femme là. Depuis 15 ans, ils sont ensemble. Tu as élevé tes trois enfants seuls. Il y a la douleur de ça dans ton cœur. Chaque fois qu'il y a un événement important dans la vie des enfants, tu lui annonces ça comme c'était la carabine. Oui, les enfants se baptisent demain. Si tu veux, tu viens. Mais ne viens pas avec ta femme là. Moi, elle ne veut pas la voir. Vous savez, ne faites pas semblant. Pour parler, vous reconnaissez-vous ici. Il vous connaît, vous aimez vous cacher. Bonjour Foster. Quand tu auras 70 ans, il sera dans ses 80. Tu auras toujours le macabre dans ton cœur pour lui. Ce macabre a fait que tous les autres hommes qui sont venus vers toi, la gifle. Mathias, bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le choisi, parfois, il aime la solitude, donc il va rejeter les gens avant. Pour se dire, voilà, je savais. Il y a ce rejet-là. Je te dis, bon, je suis habitué à être rejeté. Donc, il faut que je rejette la personne, c'est avant qu'elle me rejette. Et le troisième problème que les choisis aussi ont souvent, c'est parfois on accuse trop l'esprit. Parce que quand tu es choisi, tu commences à devenir spirituel. Donc, et parfois c'est cette affaire-là, ça embête un peu dans tes relations. Parce que beaucoup de choisis sont passés par l'église avant de sortir peut-être. Et à l'église, on t'a dit, si un homme n'est pas spirituel, ne t'aimais pas avec lui. Vous savez comment c'est difficile pour un homme de trouver une femme qui... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Tu sais, cet homme que tu as souvent été avec, des hommes qui t'ont accepté comme tu es.
Je dis, voilà, fais ton truc. Le moment où le soir, quand tu rentres à la maison, tu vois, ne m'oblige pas à faire. Pour tout gâter, alors, c'est quand l'église a dit, voilà, quand tu sors avec quelqu'un qui n'est pas à l'église, qui n'a pas donné sa vie à Christ, c'est que tu te mets avec le démon. Ça a alors tout bousillé dans la tête des choisies femmes. Ça a tout bousillé dans leur tête. Je ne vais pas vous mentir, ça c'est l'un des plus grands endommagements psychologiques. One of the biggest psychological damage that women went through. J'ai traversé ça. Merde. Merde. On n'a pas dissocié le fait que quelqu'un peut t'aimer, mais il n'est pas de ta religion. Il n'est pas de tes croyances ou de tes pratiques spirituelles. Bonjour, la reine Colette. Vous avez dit à l'église que c'était pas bon, c'était impossible. Et malheureusement, quand on était à fond dans ces églises, bah, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Vous vous rappelez pas l'époque où vous disiez que pas de sexe avant le mariage, pas de ceci. Si l'homme ne vient pas à l'église tous les dimanches, il ne participe pas à ceci, c'est que vous n'êtes pas avec lui. Est-ce que vous savez comment c'est dur pour un homme qui te rencontre? Il aime la femme que tu es. Mais il ne peut pas te faire changer d'avis sur tes croyances. Et même le peu qui sont là-dedans qui prétendent. Parce que vous savez que les églises, c'est comme des den of thieves. Alors, je ne sais pas comment dire ça en français. Une cave de loups. Bonjour, joli. Où ils se cachent. Quand tu vois un homme qui est trop parfait, il vient à l'église tous les dimanches. L'homme-là se masturbe en cachette. L'homme-là a une série de pornos qu'il a sur son téléphone, qu'il regarde. Vous voyez le gars parfait là, non? La main droite du pasteur. Tu dois changer le filtre avec lequel tu vois ta relation. Parce que beaucoup de ces femmes, quand vous étiez dans ces églises, votre conseiller matrimonial, c'était le pasteur. Comment conseiller quelqu'un puisque le pasteur n'est pas... Le pasteur n'a pas les compétences... Il n'y a pas les compétences académiques pour être un conseiller matrimonial. Et ton soi-disant fiancé ou mari, là, il ne vient pas dans ton église. Et toi, tu viens demander conseil à ce pasteur par rapport à une situation qui se passe chez toi. À ton avis, tu crois qu'il va te mettre quoi dans la tête? Un choriste de feu. Ah, ça, le Seigneur. Il est toujours à tous les rayons de prière, il va évangéliser. Moi, je me dis, tu ne travailles pas. Like, ça me fait vraiment bizarre. Tu ne travailles pas, tu n'as pas une vie, toi.
Donc, j'ai dit, le troisième problème que vous pouvez avoir, c'est parce que parfois, vous allez tout mettre sur la tête de l'esprit. L'esprit m'a dit qu'il faut qu'on se sépare. L'esprit m'a dit que il a l'impression qu'il est dans une relation avec deux personnes, toi et l'esprit. Et ça, c'est très difficile pour certains hommes. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont très religieuses ou très spirituelles. Ils ne sortent pas avec un certain genre de personnes. Parce que leurs croyances font la barrière. D'accord, Fulbert. Votre message, votre témoignage sera lu. Ok, merci. Rosine, bonjour. Le quatrième problème que les choisis rencontrent, c'est que quand on est choisi et qu'on a vu les merveilles de la connexion avec l'esprit, on veut que tout le monde soit à notre niveau spirituel. Parfois, on se dit, je vais attendre un homme ou je vais attendre une femme qui va croire comme moi, qui va faire tout comme moi. C'est délicat. Parfois, tu veux que tout le monde voie. C'est pour ça que tu passes ton temps à envoyer mes vidéos aux gens. Je vous ai déjà dit d'arrêter. Arrêtez d'envoyer mes vidéos à tout le monde. Vous les forcez à écouter. Vous les forcez. Si ce n'est pas le moment, ils ne vont pas écouter. Si c'est le moment, même si ce n'est pas sur ma vidéo que ces gens-là tombent, ils vont tomber ailleurs et ils vont regarder. Donc, ne forcez pas les gens. Merci pour le partage des vidéos. Merci, Colette. Ne forcez pas. Parfois, tu veux qu'il se lève à 3 heures pour prier avec toi. Tu passes 4 heures de temps par jour à regarder mes vidéos. Lui, il est en train de faire autre chose dehors. Pourquoi tu veux qu'après, il ait la même vigueur que toi ou la même ferveur à se laver avec le sel comme toi? Marie passe, bonjour. Donc, les choisis veulent souvent trop convertir tout le monde. Tu peux être à la maison avec ta personne et il ne t'empêche pas de faire tes choses. Quand tu te lèves à 3 heures, il ne te dérange pas. Il ne le force pas pour le mettre dedans. Et le fait qu'il ne fasse pas ça, ça affecte ton jugement de lui. Tu commences à le juger. Tu commences à le juger. C'est comme s'il faut qu'il fasse ça pour te plaire. Un moment, il va faire pour te plaire, après, il va s'arrêter. On ne force pas quelqu'un. Et c'est seulement parce que les hommes et les femmes de Dieu qui ont fait des années ensemble, qui sont haut placés, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes et vrais avec vous. Certaines de ces personnes, leurs maris ne font pas tout ce qu'ils vous disent. Mais quand ils viennent pour parler de leur mari, hey, I thank God for the life of my husband and beloved pastor because he's been the perfect husband since we don't ever venir témoigner que son mari, le pasteur, il est bien, il est ceci. Alors que c'est un homme avec des fautes comme ton mari.
Tu vois comment il prêche bien là, c'est sucré dans tes oreilles, non? C'est son boulot, c'est son job. Il est pasteur. Il fait bien son boulot. Il est yémi. Il fait bien son travail. C'est ça, Vanessa. Vous voulez les aider par force, non? On ne force pas quelqu'un. C'est ça, ma chérie. Garance, tu as bien parlé, même pour les enfants. Vous savez, j'ai fini par comprendre que j'aime mes enfants, mais je dois me dissocier de mes enfants. Je te montre ce que je connais. Je te montre ce que je connais. Mais toi, tu choisis. Je vais te taper un moment. Je vais te taper, 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 taper. Bonjour, monsieur Sikapi. Je vais te taper, te taper, te taper. Mais à un certain niveau. Quand l'enfant va sortir de la maison, il va partir. Tu vas le forcer. Tu veux même que l'enfant se marie. Ok, je prie. Tu fais. Si l'enfant ne veut pas se marier, tu vas faire quoi? C'est très difficile de lâcher prise sur quelqu'un. J'ai fini par arriver à ce niveau-là, même avec mes employés. Je leur dis, celui qui veut payer sa dîme, il paye. Celui qui veut faire ses lavages au sel, il fait. Celui qui veut, fait, si tu veux. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Mais que ton travail ne soit pas affecté. Si je vois que ton rendement est affecté, c'est là que moi je parle à toi. Et je crois que de façon ultime, c'est la peur de beaucoup de parents. L'enfant, c'est qu'il grandit. Est-ce qu'il va respecter totalement ce que je lui ai appris? Fais de ton mieux, enseigne à l'enfant. Mais une fois que tu as enseigné les choix intérieurs profonds de l'enfant, tu ne pourras pas influencer, tu ne pourras pas les faire pour l'enfant. Et ne voyez pas l'extérieur de certaines personnes. Vous savez que TikTok est fait. TikTok nous a gâté alors la vie des mariés aujourd'hui. Tu vois deux personnes que c'est leur business d'être sur les, de vivre avec les réseaux sociaux. C'est leur business. C'est leur business. Les réseaux sociaux, c'est leur business. Ils ont besoin de likes, des vues. C'est ça qui met le pain sur leur table le soir. C'est ça qui paye le loyer. Sophie, bonjour. Anne-Karine, bonjour. Donc, tu les vois. Ah, go have my Gucci on. Tu les vois, ils sortent, ils sont ensemble, ils sont bien. Oh, tout va bien. Ils se font des bisous. Ils lui apportent des fleurs. Ils conduisent la voiture. Elle met sa main sur sa main. Tu regardes et tu dis, hey, ma part de mari, c'est là. Il ne conduit pas la voiture comme moi. Il fait pas comme ça, pourquoi? Souvent, tu demandes que tu ne vois pas aussi les TikTok. TikTok est venu mettre les problèmes dans ta tête des gens. Nathalie, bonjour. La plus grande tentation, c'est de vouloir que quelqu'un devienne d'une façon. Même quand tu pries, et dans tes prières, tu dis, je veux que cette personne soit comme ça. C'est la sorcellerie que tu es en train de faire. C'est witchcraft. Tu veux manipuler la volonté de quelqu'un. Que
tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer, Nathalie. Nathalie Boucher, tu vas m'aimer. Je veux que tu reviennes, que tout soit. Hey, quelle est. Brigitte, bonjour. Okay. C'est tellement délicat. Le sujet-ci est tellement subtil. C'est fin. C'est très, très, très. C'est quelque chose qui est. Et pourtant, ça impacte beaucoup nos vies. Donc, l'un des problèmes des choisis, c'est que. On veut que tout le monde soit à notre niveau d'éveil spirituel. Ce sont les situations de ta vie qui t'ont amené là où tu es. Je ne m'attends pas à ce que... Quand je rencontre quelqu'un qui est à 60% comme moi, que tu sois employé, que tu sois collaborateur, que tu sois un oncle ou bien, je ne sais pas, ami, combien de fois me marie alors? Waouh! Parce qu'on est chacun sur son chemin d'éveil spirituel. Et j'ai des connaissances parfois que quand on se met, on parle après un an. Certes, on ne parle pas dans la même église, on ne fait pas les mêmes pratiques. Mais je me rends compte qu'en un an, à sa façon, cette personne a grandi. À sa façon, cette personne a appris les choses. C'est bizarre. Il a appris les choses, il a évolué. Il est devenu un peu plus sage. Il est devenu conscient. Il est. Ce n'était pas selon ta façon. Tu ne l'as pas forcé que viens faire comme ça. Viens écouter les enseignements si. J'ai parfois eu des moments où je suis restée avec mon mari comme ça. J'ai un truc que je veux qu'il comprenne. Je veux qu'il comprenne ceci, ceci, ceci. J'essaie de lui dire, il ne comprend pas. Après, je laisse. 4 jours plus tard, il revient me dire, il faut que tu écoutes un enseignement là. Je regarde, ça parle de quoi? Il me dit, ça. Je vois que c'est ce qu'il voulait lui dire, ça fait 4 jours. Mais le temps là, sa tête ne comprenait pas. Donc, les choisis ont de la peine à lâcher prise. Parfois, c'est par amour. Parfois, on ne veut pas que d'autres personnes souffrent. Bonjour, Mo. Ismaël, bonjour. Ma belle, bonjour. Parfois, c'est par amour. On ne veut pas que d'autres personnes souffrent. C'est un peu comme si tu envoies quelqu'un dans un pays où personne d'entre vous n'est parti avant. Mais tu as les échos de ce pays. Ou bien peut-être toi, tu étais là-bas avant et la vie était très difficile. Donc, tu connais comment c'est sur le territoire. Quand quelqu'un que tu aimes veut partir là-bas, tu as tendance à dire non, fais comme ça, donner les conseils. Bah, tu ne veux pas que l'autre personne souffre. Parfois, la personne peut par respect t'écouter, hein, mais il arrive, il fait ce qu'il veut. Quand c'est alors que ça peut me hit, ça peut me manger, que yé, c'est comment Et pour moi, il me dit toujours que tout le temps que tu vas perdre pour apprendre les leçons que tu aurais pu apprendre si tu m'avais écouté. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parfois, on se dit que si on veut prendre un programme, on télécharge dans la tête de la personne. Après, quand ça finit, ça dit « Download complete ». Ça fait « tit, 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 tit ». Il dit, il comprend déjà, il sait, il comprend. Je n'ai plus besoin de lui dire quelque chose. Mais il n'en est pas ainsi. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, les choisons de la peine à aimer aussi. Les choisons de la peine à aimer. Parce que les choisis à la base, je crois que j'ai dit ça au début, les choisis à la base ont la peine à croire qu'on puisse les aimer. Oui. J'ai des personnes avec lesquelles, des collaborateurs même, des gens qui travaillaient pour moi, on s'est séparés.
mois plus tard, la personne m'écrit. Gentiment, hein. Vraiment, je vais prendre tes nouvelles, hein. Vraiment, voilà, je sais que je travaille pour toi, on est plus, mais vraiment, je veux que tu saches que je pense souvent à toi. Le choisir a de la peine à croire que pendant que cette personne travaillait pour toi, que cette personne sincèrement avait du plaisir à être dans ton équipe, ou bien avait du plaisir à être ton ami, ou avait du plaisir à être ton copain. Maintenant, je te dis, ok, 6 mois plus tard, ça c'est sûr, cette personne n'attend pas de l'argent de moi, n'attend pas une promotion, bon, on n'a plus rien à voir ensemble. Cette personne n'attend plus que, bon, on se marie ou quoi que ce soit. Comment ça se fait? Vous avez dit que si tu m'écris, ça veut dire que ce que tu dis doit être vrai. Mais pourquoi est-ce que j'ai toujours de la peine à te croire? Ça veut dire que le problème, c'est aussi un manque de confiance de la part de la personne qui reçoit. Ce que vous dites là, c'est très, très, très profond. Étienne, Céjine, Odile et Cathy, bonjour. Bienvenue. Ton employé qui est parti depuis là, il n'a plus rien à gagner derrière toi. En venant te parler, c'est pas comme si tu vas lui donner, il n'attend rien de toi. Peut-être qu'au fond, tu es quelqu'un de bien. Mais tu ne sais pas. Et malheureusement, le revers de la chose, c'est que il y a aussi des personnes qui sont venues à côté de toi pour les avantages que ces personnes auraient. Peut-être au départ, c'était la motivation. Mais après, la personne a découvert qu'au fond, tu es quelqu'un de bien. Et cette motivation financière ou bien motivation d'avantage, j'avais des avantages à être avec toi, ça s'est transformé en du respect et de l'amour. Chose difficile à croire. Je n'enlève pas le fait qu'il y a eu des, il y a des personnes qui vont venir, seront tellement méchantes avec toi, harsh, que tu vas faire une protection. Tu dis vraiment, personnellement, hein, j'ai des décisions que j'ai prises souvent quand j'ai découvert qu'on se foutait de ma gueule dans certaines relations. Genre, je ne mettrai plus le cœur sur un de mes employés. Tu vois, souvent, tu as souvent 2 ou 3 employés ou un employé que tu veux que, waouh, je veux qu'elle réussisse. Waouh, je veux voir comment elle peut faire pour que son enfant parte à l'école là-bas. Je veux voir comment elle peut faire que. Tu mets le cœur. Après, la personne tombe. J'ai aussi compris que nos relations, en tant que choisir, on doit comprendre que les relations doivent évoluer. Avant, il me disait que c'est seulement la relation avec le mari ou les enfants qui évolue. C'est ce que je me disais avant. Mais j'ai beaucoup d'employés que on a eu des problèmes, après je les ai repris. Parce que je me suis dit, je te connais mieux, tu me connais mieux. Tu connais là comment ils fonctionnent. Tu vas me découvrir. Et je comprends aussi que, de la même façon que dans une relation avec ton mari, il peut faire des erreurs, après tu pardonnes. Ou ta femme peut faire des erreurs, après tu pardonnes. Ton enfant peut faire des erreurs. C'est quand j'ai accouché que mon cœur s'est un peu adouci. J'étais très stricte avant. Tu vois, l'enfant fait 50 erreurs par jour. Après, il vient devant toi. Maman, maman. Tu es comme ça, tu dis. Finalement, l'adulte te fait la même chose. Tu pardonnes aussi l'adulte. Il finit par comprendre que si le cœur de la personne est disposé, oui, chaque membre de notre entourage constitue une école. Et quand Jésus disait prier pour vos ennemis, c'est quelque chose qui est très délicat. Parce que cette personne qui est ton ennemi aujourd'hui, comme Judas, non? Judas était l'ami de Jésus à une époque. Judas était le conseiller personnel de Jésus.
C'était son trésorier. Judas gardait le téléphone Orange Money de Jésus. Judas avait la carte Visa de Jésus et son code de PIN. Vous voyez le degré de confiance? Quand il fallait faire le transfert à quelqu'un, Jésus disait, Judas, envoie-moi 50 000 à l'autre personne là. Oui. Oh. Parfois quand on voit la Bible là, on croit que... Judas avait tous les codes PIN de Jésus. Donc il y avait une confiance. Et je suis sûr qu'à un moment même, Judas aurait pu revenir vers Jésus. Après la trahison, il aurait pu être pardonné. Parfois, c'est l'attitude de la personne. Après le dégât ou après la faute. Quand il y a le désagrément entre vous, comment est-ce que la personne se comporte après? C'est pour ça que je dis toujours à mes collaborateurs, je ne veux pas te voir le jour où tu es content avec moi. Je veux voir ton comportement le jour où tu fais une erreur. Et qu'on est dans une réunion disciplinaire et je dois te corriger. Ou bien un de tes supérieurs doit te corriger. C'est l'attitude là que j'attends pour voir. C'est ça qu'il veut voir. Hein. Il veut voir ta réaction. Et que tu vas aller te suicider comme Judas. Qui sait, peut-être que les gens là ont envoyé des lettres de demande de trahison à Judas depuis 3 ans. Judas, voilà, c'est le conseil des pharisiens. On sait que tu es proche de Jésus, tu as ses codes PIN, non. On sait que tu es dans ses cruces, dans ses croisades, non. Voilà, si tu veux, tu peux venir, on va te donner l'argent, tu vas nous le balancer. Judas lit. Il dit jamais, je suis fidèle à Jésus. 3 mois plus tard, quelqu'un vient en cachette. Judas, je t'amène une lettre du chef des pharisiens. Voilà, il faut que tu. On a besoin que tu nous donnes. Livre-nous Jésus, non, Judas. Je suis fidèle à Jésus. 1 an, 2 ans, 3e année. Un jour, Jésus a un petit problème avec Judas. Se rend compte que Judas a fait l'erreur quand il calculait, on a fait un orange money, on a donné 100 000 en plus. Jésus dit, Judas, qu'est-ce que je t'avais dit par rapport à ça? Quand il y a une transaction, tu dois enregistrer dans le cahier, non? Pourquoi je ne vois pas les transactions de la journée? Peut-être la petite amie de Judas le jour-là avait des petits problèmes. Ils sont engueulés. Ça a énervé Judas. Et c'est le soir là, on lui écrit encore la lettre. Judas, tu sais, tu peux toujours venir balancer ton maître. Hein? Et c'est même vrai. Je suis là, je le sais, ici chaque jour, je garde son argent. S'il veut envoyer l'argent à 50 personnes par jour, je cours en route pour envoyer. Il veut les dépôts, je cours pour aller faire les dépôts à la banque. Il ne voit même pas comment je le sais avec fidélité. Oui. Quand tout le monde dort, ils sont en cachette. Si on part dans la tête de Judas, Judas avait ses raisons pour tomber. Parce que quand on lit souvent la Bible en tant que saint, on lit comme si on était trop saint. On ne comprend pas que l'erreur. La preuve, même Pierre. Pierre a régné Jésus 3 fois aussi. Ton combi que tu marches avec lui tous les jours, on te connaît, on sait que toutes les photos qu'on voit en ville, que Jésus arrive en ville, on voit Pierre à côté. On le met là, tu dis que moi, je ne le connais pas. 3 fois. Quand vous lisez la Bible, ne lisez pas comme si vous êtes, comme si c'est un texte avec des gens parfaits. Rentrez dans leurs émotions, rentrez dans leur... Ils étaient dans quel état? Lisez les lignes que la Bible n'a pas écrites. Ça va vous permettre de comprendre les gens qui vous entourent. La Bible, c'est un bon livre de leadership. Parce que la Bible dit que Jésus savait qu'il devait le trahir. Mais il a quand même choisi.
Les personnes que j'ai embauchées au départ, la première semaine, j'ai vu les erreurs de la personne. J'ai senti que la personne, c'est là. Mais je donne quand même une chance. Parfois, j'ai mes collaborateurs. Et je demande aussi la grâce à Dieu de ne pas prendre mes décisions seules. Parce que parfois, quand je les prends toutes seules, je suis parfois très radicale. Parfois, mes collaborateurs disaient que non, madame, il faut encore laisser un peu. Donnez encore un peu d'espace à la personne si on voit. Donnez le bénéfice du doute, on va voir. Tu fais une erreur, deux, trois. Donc, je vous ai donné quelques caractéristiques des choisis. Premièrement, le choisi n'aime pas la vie cliché. Parce qu'il n'a pas eu cette vie quand il grandissait. Deuxièmement, le choisi aime la solitude. Donc, parfois, il repousse les gens autour de lui avant qu'on ne le repousse. Parfois, le choisi va mettre trop, va trop mettre ses actes sur l'esprit. L'esprit m'a dit de faire ça. L'esprit m'a dit de. Il ne va pas accepter ses erreurs. Enfin, le choisi aussi veut que tout le monde soit au même niveau d'éveil que lui. Il veut que tout le monde voit les choses comme lui. Et en dernier. Les choisis ont souvent de la peine à laisser qu'on les aime. Ils sont très pessimistes côté relations humaines. Ce qui fait qu'ils se ferment dans une bulle. Garance, tu dis que ce n'est pas facile pour nous d'imaginer nos ennemis après. C'est au niveau où j'en suis. Hein. Je comprends que mon plus proche collaborateur peut devenir mon ennemi demain. Ne soyez plus surpris de quelque chose. Mon plus proche collaborateur. Maintenant, c'est à vous d'apprendre le people management. Tu dois apprendre à manager les gens. Tu apprends à manager les gens. De telle façon que tu puisses manœuvrer la relation. Toute relation doit être gérée avec tact. Et ça, c'est le truc qu'on devait voir à l'école. On devait nous enseigner sur la sagesse financière. On devait nous enseigner sur les relations. Relationship management. On devait faire ça à l'école. Oui. On devait faire ça à l'école. Tu apprends à gérer tes émotions et à gérer tes relations avec les gens. Ça, on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris. Ce qui fait que tu te retrouves. Et toute relation qui dégringole, qui vit à autre chose, ça pouvait être anticipé et géré au départ. Parfois, c'est le manque de communication. Parfois, c'est les humeurs. Parfois, c'est la fierté. Parfois, c'est un manque d'humilité pour aller vers la personne. On communique par personne interposée. Et ça heurte la fierté de la personne.
Et celui qui te heurte lui-même, il est d'abord, c'est parce qu'il a d'abord mal, qui te fait mal. Maintenant, vous devez savoir jauger chaque relation et voir, est-ce que cette relation, est-ce que ça vaut la peine que je gâte cette relation pour ma fierté? Si cette personne, c'est... Il y a des personnes qui sont, je ne vais pas dire qu'elles sont irremplaçables, mais il y a des personnes qui sont très importantes dans notre vie. Et parfois, quand on les laisse partir, on préfère souffrir 3, 6 mois, 1 an. Et l'autre personne souffre aussi de son côté. C'est délicat. J'espère que vous avez compris mieux comment vous fonctionnez. Il ne faut pas s'attacher à personne. Quand tu dis qu'il ne faut pas s'attacher là, tu bloques déjà ton esprit. Et même donner une autre chance. Donner une autre chance, c'est dur. Parce que ça vient avec toutes les peurs. Ne pas donner une autre chance, c'est dur aussi. Parce que tu dois faire l'effort d'oublier la personne. Notre croissance se fait dans la douleur aussi. Sans se faire dans la douleur. On apprend, on grandit à travers les épreuves. Je te laisse partir, je souffre. Je te pardonne, tu restes, je souffre. Et on n'a pas, les thérapies en Afrique ne sont pas fréquentes. C'est pas un truc qui est populaire. Donc, généralement, quand quelqu'un a une douleur ou une difficulté, même quand on se... Bonjour, Lydie. Même quand on se réconcilie, on croit que, OK, comme il était dit de venir, on reste ensemble. Hein. Comme il était dit de OK, on croit que c'est fini. On ne sait pas qu'il faut s'asseoir et parler de la chose. Pourquoi tu as d'abord fait ce que tu as fait? Pourquoi j'ai réagi comme j'ai réagi? Qu'est-ce que je te reproche? Qu'est-ce que tu me reproches? Ça fait mal, hein? Jesus is Lord. Ça fait mal. Parce que tu dois t'ouvrir, tu dois te rendre vulnérable. Et je le dis encore, on n'a pas d'école pour ça. On n'a pas de... En ligne, vous n'aurez pas des pages qui vont parler de ça. On ne sait pas comment naviguer. Du coup, on se dit que la meilleure solution, c'est de bloquer, de fermer, d'arrêter. Tu as déjà bloqué quelqu'un que tu aimes. Ça fait mal. Jesus. Les premiers jours. Ah, tcha, tcha, tcha. Tu vois, je te dis que, OK, je l'ai bloqué. Je vais voir, il veut me contacter. OK, c'est bon. Après, tu dis que s'il veut me contacter, comment il veut savoir qu'il m'a contacté? Ah, oh, Seigneur, Seigneur Jésus. Après, tu dis qu'un peut-être dans le débloquer, juste pour voir si ma... Ah, oh,
Non, non, vous savez quoi? Ah, Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Quand j'étais en froid avec mon père, c'est que je ne lui parlais pas. Mon père, c'est quelqu'un qui peut très bien cacher ses émotions. Donc, même si ça lui fait mal, il ne va pas te dire. Mais moi, plus jeune, bien sûr, bien évidemment, si c'est mon père, c'est que je suis plus jeune que lui. J'avais de la peine. Ce qui fait que parfois, je fais 1 an, je ne lui parle pas. Après, il prend le téléphone, je l'appelle. Il dit, papa, tu restes 1 an, tu ne peux même pas m'appeler. Je me fâche. Je finis de parler, après je raccroche. Et il ne me rappelle pas. Je crois que mon caractère très dur, j'ai malheureusement pris ça de mon père. Mon père m'a trop mal formé. Il ne te rappelle pas. 5 ans plus tard. J'ai fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh non, j'ai fait 10 ans en Europe. De ces 10 ans-là, on s'est vu 2 fois. En l'espace de 2 ans. Après, on a fait 5 ans sans se voir. Mince. Le jour où je le vois physiquement, on s'assoit. On parle. Il me dit que tu crois que toutes les années où tu me parlais pas là, ça me faisait du. J'étais en paix. Moi-même, j'avais envie de te parler. Je voulais le tuer. La douleur de ça. Je dis, est-ce que tu te rends compte que tu as bousillé 10 années où j'ai passé à te détester et à croire que tu n'avais rien à foutre de moi? Et lui-même, ça vient des choses que lui, il a vécues. C'est quelqu'un qui a été trop trahi dans sa vie. Donc, il a développé la capacité de mettre son cœur dans une cage, il ferme, il jette la clé, il dit que cœur, même si tu meurs là-dedans, je n'ouvre pas. Il est très strict. Il est strict. Marcy, tu dis quand tu ne sens pas la relation. Maintenant, qu'est-ce qui te fait savoir que tu ne sens pas la relation? Je veux que vous compreniez que vous aussi, vous avez à voir, vous avez quelque chose à voir avec la façon dont la relation est vue. Quand tu dis senti, ce ressenti, tu as de l'impact sur le ressenti. Tu comprends? Et beaucoup d'entre eux, beaucoup de personnes qui ont ce problème émotionnel, généralement, on rencontre des personnes qui ont aussi des problèmes émotionnels avec leurs parents. C'est grave. Il y en a ici que quand ton père était fâché de toi, il ne te parlait pas. Si vous venez à la maison, ta mère peut-être, elle va. Hey! Parfois, c'est même ta tante. Elle peut rester à la maison avec toi 3 mois. Elle ne te parle pas. Et tu as 12 ans ou 15 ans. À ton avis, qu'est-ce qu'on est en train de forger dans ton esprit? Qu'est-ce qu'on est en train d'impacter? Qu'est-ce qu'on est en train d'imprimer dans ton esprit? Je vous assure qu'au moins ce 50% d'entre vous, vous connaissez de quoi je parle. Tu vois, Hervé, tu dis que tu as tout copié ça de ton père, sans le savoir. Bah, tu étais habitué que quand tu as 12 ans, quand il y a un problème, on ne t'assoit pas pour parler de ça. Hein. Ou bien on ne te blâme pas pour ça, ou bien on ne te fait pas comprendre que ce que tu as fait n'est pas bon. On ne te parle pas. On ne te parle pas. Ah, j'avais une tante qui était forte pour ça. L'affaire me rongeait à l'intérieur. Hey, on était seulement deux à la maison. Hein. Jesus. Elle reste avec toi. Tu fais un truc. Supposons, elle te dit, elle te dit va préparer la viande. Je vais vous dire les bêtes trucs pour lesquels elle peut te punir.
Elle te laisse la viande le matin, que prépare la viande. Je vais rentrer à 18h, je vais préparer la nourriture avec la viande là. Tu prépares. Quand la viande est cuite, tu as bien mis le sel, tu as mis les oignons, ça sent bon. Vous savez que la viande du bœuf d'avant là, ça sentait bon. Tu regardes la viande comme ça, tu te dis, ah, si il prend un morceau. Moi, ce que je faisais, je partais sur tous les 8 morceaux, je coupais un petit. Et juste que quand la viande est déjà cuite, tu coupes. Excusez-moi, c'est tellement bête, mais bon. Quand la viande est déjà cuite, tu coupes. La partie que tu as coupée sera blanche. La partie qui a cuit dans la nourriture normalement sera plus sombre. Mais après un jour, j'ai fait ça. Elle rentre. Elle ouvre la nourriture. Elle veut préparer. Elle remarque que ses viandes ont diminué. Je vais avoir 13 ans ou 14 ans. Hein. Ses viandes ont diminué. Elle m'appelle. Il y a une fille sur TikTok avec sa mère. La fille, elle s'appelle Ruth, je pense. Ruth, quand elle voit Ruth avec sa mère, c'est moi avec ma tante là. Elle m'appelle. J'ai dit que non, moi, je ne sais rien. Je n'ai rien fait. Je ne... Elle dit d'accord. Elle ne va pas te parler pendant 2 semaines. Tu demandes que tata c'est quoi? Pourquoi tu ne me parles plus? Tata c'est quoi? Le lendemain elle se réveille. Ton agent de beignet il s'est sur la table. Dès que tu viens toquer sur sa porte, elle fait comme si elle dort. Après tu pars au salon, tu vois l'agent de beignet sur la table. Tu prends, tu pars au travail, à l'école. Elle rentre le soir, elle passe devant toi, elle ne te dit pas bonsoir. Elle ouvre la bouche seulement pour te dire, on prépare ça le soir. Dépose ça là-bas, tac, 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 tac. Me voilà dans ma chambre seule. Je réfléchis. C'est après 2 semaines qu'elle te dit, tu te rappelles la viande que tu as, tu te rappelles le mois passé la viande que tu avais mangée dans ma mamie là? Oh Seigneur Jésus. Malheureusement, beaucoup de personnes, sans le vouloir, ont exposé leurs enfants à certaines personnes, à certains genres de personnes. Parce que moi, j'ai grandi avec cette personne parce que ma mère n'avait pas univers bonjour. Ma mère n'avait pas le choix, il fallait que je vive avec elle. Et ma mère avait une façon assez différente de te discipliner. Ça ne va pas, ma mère voit, tac, elle te dit à l'instant, pap, elle te tape. Le soir, elle t'apporte le poisson brisé, tu manges, tu es content, vous êtes réconcilié. Ou bien, pour demander pardon, tu pars, tu nettoies sa chambre, elle rentre, elle voit que sa chambre est propre. Après, elle dit, ok, bon, prends l'argent du bonbon, va acheter le biscuit fourré, tu manges. Ça, c'était comme ça que ma mère était. Mais cette personne chez qui j'ai dû aller vivre pendant quelques années de ma vie, c'était, le caractère était très dur. Et parfois, sans le savoir, vos enfants doivent vivre dans chez ce genre de personnes. Et ça laisse une cicatrice. C'est pour ça que parfois tu prends ton enfant, tu n'arrives plus à le reconnaître. Il restait tellement seul dans son coin. Tu le prends, tu veux le parler, viens non, viens on passe. Il ne rit pas. Parce qu'il a été endommagé émotionnellement dans certains endroits. Et lui-même, il ne sait pas. Il ne peut pas te dire que c'est parce que ça ou ça. Il ne peut pas te dire. Puisqu'il ne sait pas. Quand on parle des thérapies, le blanc a compris quelque chose. Il ne part pas à l'église, il part chez le thérapeute. Et ces personnes-là, Vanessa, tu riais. Ces personnes-là, 20 ans plus tard, elles n'ont pas changé. Hein? 20 ans plus tard, j'ai des personnes avec qui je ne parle plus aujourd'hui comme ça dans ma famille. Jusqu'à ce que même si je meurs ou si la personne meurt, donc c'est la mort qui va nous séparer. Parce qu'en 2005, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à la personne. Et c'était la énième fois, j'étais moi fatigué de supplier la personne. J'ai dit, ah, c'est bon. Je vais pas passer ma vie à supplier aussi. Je suis à grande, non, j'ai à mes enfants. Ok, c'est comment?
Mais tu ne connais pas que cet endurcissement de caractère, tu passes ça. Ça agit sur toi au quotidien. Hey, pardon. C'est comme ça qu'on se retrouve chez les Blancs. Parfois, on sort avec des Blancs ou des gens qui ont été dans des cultures différentes. On a des enfants qui grandissent avec des Blancs, qui ne connaissent pas tout ça. Mais nous, à la maison, on a encore ça dans nous. C'est encore là. Un homme s'approche de toi comme ça, là, tu sors le feu de Sangoku. Tu fais Kame, Yame, ça le brûle. Il ne connaît pas que c'est toute la haine que tu as portée depuis 15 ans, 20 ans. Tu viens verser ça sur lui. Et lui-même aussi ses propres douleurs. Après, il dit, oh, c'est même quoi ça? Pardon. Il fuit. Eh, Seigneur. Bonjour, Patrick. Vous voilà, deux parents blessés en train d'élever un enfant. À distance. Bien sûr, ce sera que des blessures. Il y a même des parents que bêta, si vous êtes dans la même maison, ce sera trop grave. Bêta, vous êtes à distance. Bêta. Mieux même encore. Parce que si vous êtes dans la même maison, là, vous devez élever les enfants là, dans la même maison ensemble. Oi. Douleur sur douleur. Douleur sur douleur. Mais aussi ton fils fume, est-ce que tu peux l'empêcher de fumer? Il fume d'abord pourquoi? Parce que peut-être certains enfants se retrouvent seuls, rejetés, et ils trouvent son réconfort dans la cigarette. Et quand généralement on veut leur demander d'arrêter, on les blâme. Arrête de fumer! Nya, nya, nya. On répète la cause qu'il a envoyée à la cigarette. On vient lui dire ça pour qu'il arrête de fumer. Ça ne marche pas. Les relations sont délicates. Si on pouvait te mettre sur ta planète solaire, c'est que tu serais à l'aise. Mais malheureusement, on t'a mis dans un monde. Une femme a dû t'accoucher. Un père a dû te mettre dans le ventre de ta femme, de la femme. Tu as dû grandir. Et même les gens qui te nourrissaient, ça devient tes connaissances. Ça devient ton entourage. Tu as appelé à avoir des relations avec les gens. Je demande que le Seigneur vous donne la capacité de vous comprendre. Et comprenez que toute personne qui vous a fait mal, c'est parce que cette personne avait aussi mal. Et parfois, dans nos nouvelles relations, on a de la peine à sortir de l'ancienne relation pour se mettre dans la nouvelle relation, dans la tête. On croit que ce sera toujours le même traitement que l'autre nous a donné, que celui-ci va nous donner. C'est fait qu'on a de la peine à lâcher prise. On a de la peine à croire. On a de la peine à aimer sincèrement. Aimer ne veut pas dire baisser ses gardes.
Mais je prie que vous ayez le discernement. Que le Seigneur vous donne le discernement. La compréhension de l'autre. Et la compréhension de vous-même d'abord. Que vous puissiez comprendre pourquoi vous avez agi comme vous avez agi là. Pourquoi vous êtes comme vous êtes. Et je prie que quelqu'un, le Seigneur vous amène des personnes assez patientes pour attendre que vous guérissiez. Il faut beaucoup aimer quelqu'un pour subir. Parce que quand tu as mal, et cette douleur tu peux avoir 45 ans, tu as une douleur que tu as portée avec toi 30 ans. Un homme vient, il prend cette douleur-là. C'est un peu comme si tu le griffais, tu le griffes. Il faut qu'il ait la patience pour attendre que toutes tes griffes la passent. Tu le griffes parce que tu as mal. Et les paroles des femmes, oh là là, notre bouche là. Nous laver la bouche. Maf, m'idée. Maf. On te sort ça comme ça. Hein. Tu crois même que quoi? Tu es quoi? Hein? Tu es venu ici là pour m'exploiter, non? Tu es venu ici là pour faire, n'est-ce pas? Donc, fais ton petit cinéma là, après tu pars comme les autres. Tu as apporté quoi dans ma vie? Tu as. Hey! 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 En tout cas, je déclare que le Seigneur vous donne la capacité de guérir, de vous ouvrir pour guérir. Je déclare votre saison de guérison émotionnelle. S'il le faut, allez payer des thérapies. Faites-les. Payez des thérapies. Asseyez-vous, vous parlez. Parfois, en parlant, tu te comprends. Parfois, en parlant, tu découvres même... Ah oui, ça a commencé quand j'avais 8 ans. Parce que tu as parlé pendant 3 heures de temps. Tu commences à comprendre pourquoi tu es comme tu es. Et beaucoup de guérisons ne se passeront pas seules. Donc ne vous voilez pas les yeux. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous attendent que Dieu le fera. Dieu le fera. Dieu le fera. Vous devez partir vers la guérison. Ça se cherche. Si la guérison marche comme la tortue pour venir vers toi, et que la guérison se déplace 2 km par an, et toi tu as 1000 km, c'est que quand tu seras dans la terre, tu auras fait 500 ans dans la terre, c'est là que la guérison va arriver à toi. Donc on court vers la guérison, on cherche la guérison, on paye la guérison. On paye, tu donnes l'argent, on t'assoit, on te guérit. Soyez fortifié. Tu as du mal à tisser des relations avec tes proches. Tu es devenu très solitaire. Gloria. Maintenant, tu dois aussi comprendre que Gloria, quand tu commences un peu à comprendre que tu as besoin d'aide, cherche l'aide. Tu as compris? Cherche l'aide. Parce que quand tu fais ton travail spirituel, Seigneur, expose les démons, expose. Parfois, le Seigneur va t'exposer quelque chose comme ça. Et pour guérir la chose, ce n'est pas seulement le produit spirituel, c'est vraiment un acte physique que tu dois poser. Tu dois partir payer une thérapie, tu t'assois, tu parles. Tu achètes un livre qui va te permettre de te comprendre.
Voilà, je dépose sur vous les bonnes directives, les bonnes instructions, les bons mentors pour vous aider à guérir. Je déclare que tout ce qui a été abîmé dans votre vie par l'esprit de rejet, tout ce que vous avez perdu, je déclare la restauration. Toute relation qui est perdue et qui est partie, j'en déclare la restauration au nom de Jésus. Amen. Vanessa, il y a les psychologues en Afrique. Hein. Il faut que je me renseigne à ce sujet. Je pense qu'il y a les psychologues en Afrique. Il y a des gens à l'université qui font psychologie. Hein. C'est seulement parce que vous ne cherchez pas. Et juste que même à Bafoussam, il y a les psychologues. C'est vrai que ça paraît quand même pas du tout possible. Pour, like, un psychologue fait quoi Bafoussam? Mais il y en a. C'est juste parce que ce n'était pas un truc que tu as, auquel tu avais pensé depuis. Et leurs séances parfois paraissent bêtes et longues. Genre, pourquoi tu me poses des questions sur mon enfance? Je t'ai dit que j'ai pas mon mari. Tu vois, quand tu arrives devant eux, il faut faire confiance en leur processus. Tu vois que ça vient encore de la confiance. Ça émane encore de la confiance. Il faut que tu aies confiance. Pardon. Bon. Vous passez une bonne journée. Questions asked unanswered, still can you heal me at all? Anyway, it's like I'm talking to me. Maybe you're speaking. Questions left unanswered, feels like my prayers are heating this wall. So I'm left here wondering if you can still hear me at all. I've been here so long that my faith is getting weak. So I just have to believe. Maybe you're speaking through the silence, maybe it's all I need to hear. Give me the passion in this quiet. I need to rest here and be okay. La chanson, ça m'a beaucoup plu dans le passé. Il parle, il dit que peut-être Dieu lui parle dans le silence. Ça fait longtemps que j'attends tes réponses. Mais peut-être que tu me parles à travers le silence. Vous écrivez sur YouTube Anthony Evans, silence. Anthony Evans, silence. Ça, c'est la chanson. Il dit peut-être que tu me parles à travers le silence. Parfois, je me suis rendu compte que quand tu as du silence dans ta vie, parce que ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est quelque chose qui n'est pas dans tes habitudes. Le jeûne que nous avons fait hier, nous avons terminé hier. Pardon, ça m'a beaucoup, ça m'a permis d'être délivré de beaucoup de choses. Et ce dont je peux vous parler actuellement, c'est justement pour ça. Il y a parfois des décisions qui ne sont pas acceptables par tout le monde. Et parce qu'on m'a dit, tu es faible. Si jamais tu repars vers le père de tes enfants, vous vous asseyez, vous parlez bien ensemble, c'est un signe de faiblesse. Mais tu dois toujours voir l'enjeu. L'enjeu, c'est tes enfants. Et quand tu as été trop longtemps dans les problèmes avec le père ou la mère de tes enfants, et que vous avez finalement la paix, pour l'enfant, c'est tellement bien. L'enfant peut rester devant sa mère et prononcer le nom de son père sans avoir peur. L'enfant peut rester devant son père, prononcer le nom de sa mère sans avoir peur. Ça guérit beaucoup.
guérit. Parfois, on rencontre un homme, on s'attend à ce qu'il soit notre thérapeute. On veut qu'il nous écoute tout le temps. On veut qu'il... Va payer un thérapeute, il t'écoute. Quand tu arrives à la maison, tu n'auras plus besoin que l'homme t'écoute. Like. Si tu écoutes, c'est un bonus. Ce sera plus un prérequis pour que votre relation marche. Bonne journée.